Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous dire comment reconnaître un défunt autour de vous. Oh, mais tu veux pas savoir! Oh, bah oui, parce qu'il y a des présences subtiles partout, hein. Alors, quelques petits indices pour les détecter. Alors, pourquoi les détecter? Bien tout simplement parce que vous avez envie de savoir, hein, vous êtes curieux, ou alors vous vous sentez seul et vous avez envie de papoter un petit peu avec un défunt, après tout, pourquoi pas, boire un petit verre, échanger sur la pluie, le beau temps, whatever. Donc, je vais vous donner dans cette vidéo les 7 indices, alors peut-être qu'il y en a plus, en tout cas, je vous donne cela. Moi, personnellement, j'ai déjà expérimenté ça, et quand j'ai vu, en fait, comment détecter une présence subtile autour de nous, je me suis dit waouh, c'est donc ça, ces petits signes là, et je me suis dit faut que je partage, parce que si jamais il y a des gens aussi qui vivent ça, eh bien ceci peut expliquer cela. Et puis généralement, quand on vit ce genre de petites choses, on se rend pas forcément compte quand on n'est pas au courant, et puis même si on se dit il y a quelque chose de bizarre, eh bien il y a notre mental qui arrive et puis qui dit non, ne t'inquiète pas, scientifiquement parlant, on peut le prouver, il y a toujours une explication à tout, il n'y a rien de subtil. Ok, whatever. Donc, je vous dis les petits indices pour reconnaître qu'il y a peut-être une présence subtile autour de vous. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise, allant jusqu'à ressentir une véritable oppression dans un lieu. Hello everybody! Lorsque nous nous sentons observés alors que nous sommes seuls. Lorsque nous ressentons comme du vent ou un souffle froid sur notre nuque alors que les fenêtres et les portes sont fermées. Lorsque nous ressentons que nos poils se hérissent d'un coup, signifiant généralement que nous sommes proches d'une présence subtile. Lorsque nous ressentons un manque d'énergie allant d'une sensation de froid à l'intérieur du corps jusqu'à ressentir que nous sommes vidés d'un coup de nos énergies. Certains défunts peuvent se manifester à travers des déplacements d'objets physiques, mais c'est plutôt rare. Mais moi, c'est clairement ce qu'il m'a dit. Ah non, mais laisse tomber, il m'a trop vénère, le mec. Je lui dis, attends, mais tout, on se connaît, quoi, je veux dire. Ah, c'est moi, ça bouge, là, ça bouge, hein. Un médium percevra parfois, à travers un échange télépathique, les intentions du défunt. La victime est si belle, et le crime est si gai. Envoie-moi. Par le biais d'un bifou, de savoir que je n'en peux plus.